Dédicace à Salma. Bravo pour votre match, félicitations. Alors on voulait savoir dans quel état d'esprit vous entamez ce match. À l'entame, à vrai dire, franchement, on savait que ça allait être un match déjà difficile. Alors, pour avoir un match précédent qu'ils ont fait, c'est parti prendre les 3 points à 9 contre 11. On savait que ça allait être un match de casse. Maintenant, nous, il fallait les 3 points. Je ne me cache pas qu'il fallait les 3 points et qu'on en sort sur terre sans réfléchir. C'est une victoire qui vous récompense en reposition dans votre classement. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une dynamique pour la suite du championnat? En vrai, la saison qu'on avait démarré en 2017, il y a beaucoup de facteurs négatifs. C'est donc la démarrer en 2018 en tempo. Là, on est sur une défaite en 2018, c'est la semaine dernière, en 93e. On n'est pas bien parti, c'est le fruit du travail précédent. Puis là, on se dit quoi, on va lâcher les chevaux. Et puis, quand tout le monde joue le jeu, ça va être ça. C'est parfait. Alors, je sais que vous avez lu une petite lettre de la part d'une petite fille. Est-ce que vous avez un mot à lui adresser? Bah, la lettre, franchement, elle était émouvante. Elle était émouvante. Pourquoi? Parce que malgré les résultats, malgré le classement, on se dit qu'il y a du monde qui est derrière nous. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. Et voilà, on s'est dit qu'on va le faire aussi. Ouais, pour les gens qui sont aussi derrière nous, malgré les résultats, je viens de signaler. Donc, merci. Franchement, merci. Ça nous a vraiment touchés. Parfait, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de votre équipe aujourd'hui? Oh, intéressante, ça fait du bien. C'est vrai que le premier quart d'heure c'était un peu compliqué. On avait une équipe en face qui avait du répondant. Mais après, ça s'est très bien passé. On a montré un autre visage. Et voilà, on a eu des joueurs du club très impliqués qui ont donné le maximum. Et voilà, on a été récompensé par deux buts. Et une grosse satisfaction parce qu'au niveau du classement, ça a une grosse incidence et ça nous fait du bien. Et puis j'espère que surtout que les joueurs vont prendre confiance et vont continuer à aller chercher les points pour d'abord se maintenir et pourquoi pas, comme on l'avait dit en début de saison, viser le haut du tableau. Vous bénéficiez d'un match de rattrapage la semaine prochaine. Vous pensez que la dynamique du FC Mantois permet de continuer sur cette lancée, sur cette victoire? On l'espère toujours. Maintenant, c'est à nous d'être sérieux et vigilants. Et surtout, quand on joue ici à Mantes, on doit se mettre en tête qu'on a l'obligation de gagner. Après, c'est toujours des matchs compliqués. Le but, bien sûr, c'est de prendre les points et s'échapper du bottom du classement et aller chercher justement les équipes qui sont en haut. Aujourd'hui, c'était un match avec une saveur particulière compte tenu du contexte des hommages qui ont été rendus la semaine dernière et du message de la petite Selma. Qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord, nous, en tant que dirigeants, on est toujours touchés lorsque y a un moment triste pour les gens du club, notamment récemment avec Germain et André Stenta. Et puis concernant le message de la petite Salma, c'est bien parce que ça sensibilise. Nous, ça nous sensibilise et puis les joueurs également. Voilà, donc en plus de ça, ça vient d'une enfant et ça peut être bien. Et puis c'est bien parce que les joueurs aussi lui ont rendu hommage. Et voilà. On l'invitera. J'espère qu'elle viendra nous voir ici. J'espère.